Hey, bonsoir, Jean, c'est Willy, et on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur Zelda Breath of the Wild. Aujourd'hui, on va avancer dans les quêtes, comme d'hab. Je pense qu'on va faire les quêtes ex de la capuche mercantile, la Bible du vent, le casque de l'Urpateur et l'armure de l'au-delà. Parce que regardez, toutes les infos sont conservées dans un carnet qui sont dans les ruines du village d'Adeya. Les ruines du village d'Adeya. Eh bien, si je regarde, ça doit être quelque part... à peu près ici. Voilà, lac d'Adeya, donc c'est à ce niveau-là. Du coup, on va s'y rendre. Est-ce que j'ai un TP à côté? J'ai un TP qui est à peu près à côté, donc on va se mettre là-bas. Et on va découvrir où se cachent les armures. Parce qu'en ce moment, je le sens, là. On va faire les quêtes d'armure. Et après, ben, on improvisera plus tard. Peut-être on fera les Korogu, mais les Korogu, il faudrait que je les note sur la carte. Comme ça, ben, ça serait plus simple à trouver. Mais bon, ça, on le fera plus tard. Du coup, c'est par là. Je vais dire Evali, hein. Hop. Normalement, on devrait y arriver là. Oh, il y a un minerai là. Je vais aller le récupérer. Là, il y a un Korogu. Il y a deux Korogu. Ok, lui s'enfuit. Hop. Alors. Ah. Allez. Voilà. Il y a une feuille, tu m'as trouvé. Merci. Et celui-là, je l'avais fait, non? Oui, je l'avais fait. Donc tout va bien. Ok, lui il a fui. Je ne dis pas non, un peu de poulet. Alors, du silex, ce qui repart de l'ombre brute. Ah, parce qu'il m'en faut pour finir d'améliorer mes armures. Hop, de l'opale brute. Et ça m'a l'air d'être tout. Faudrait que je mange un petit truc, parce que là j'ai plus de vie, je viens de voir. On va essayer de prendre un truc qui est pas trop... cher. Bah ça, hein. Le petit truc à 4 que j'avais là. Et après, bah j'ai plus grand chose. Je n'ai plus grand chose. Pire, je mange des pommes, hein, comme ça. J'en ai combien de pommes? Oh, 67, allez. Voilà. On est remis sur pied. Je garde un petit peu la tenue de la garde royale, parce qu'elle est plutôt stylée. Hop. Alors, les ruines... Ok, le reflet m'a attiré mon regard. Il y a un Korogu là-haut. Ça a l'air d'être ici, les ruines. Ou pas. Non, c'est plus par là, normalement. Bon, attendez. Hop. Comment ça me déjà ça? Ah oui. Oh là là. Hop là. Ok, on va attendre ici. Voilà.
Dans une feuille, tu m'as trouvé. À la voyure. C'est bien. Ah, on a atteint les 24% de complétion du jeu. Je sais pas si je dois être content quand même d'avoir fait un score aussi bas. Mais les Korogus, ça me fait progresser assez vite, je trouve. En tout cas, beaucoup plus vite que les quêtes. Bref, les ruines sont là, j'imagine. Ah, il y a un sanctuaire ici. Ah non, c'est les coffres. Faut que je... Non, pas ça. Voilà, sur sanctuaire. Je m'en fiche des coffres. N'empêche, on regarde quand même, on surveille. Hein. On sait jamais. Ah. Voilà, ça fait toujours de la nourriture. Je suis un peu idiot, j'ai pas accepté la quête. Voilà, ça va être plus simple ici. Ah, un Korogu encore. Oh, il sent bourré. Ah, dans une feuille, tu m'as trouvé. Oh là là, mais qu'est-ce qui nous arrive? J'ai déjà pris en photo. J'observe un petit peu les alentours, hein, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il y a un coffre caché sous l'eau ou des trucs intéressants. Même si je crois pas. Ah ah! Oula. Bon, ok, on va contourner le truc. Ah, tu m'as trouvé! Quête Korogu. Est-ce qu'on va pas battre le record de Korogu qu'on a trouvé en un épisode? Hop là. Je me fais un petit stock de nourriture aussi, hein. Alors... Une branche d'arbre. Ok, c'est bon, je l'ai déjà pris en photo. Et du coup, le carnet doit être quelque part ici. Ouais, je le vois. Vous n'avez pas marqué ce livre jusqu'ici. Rappel des emplacements des coffres contenant les 6 autres trésors dérobés au château d'Hyrule par Lambda. La capuche du marchand d'un autre monde se trouve au lac Dracos, sur la patte droite du dragon qui dévore la source du courage. L'habit bleu du héros qui parcourait les mers en contrôlant le vent se trouve là où Levendra prend sa source. Le casque de celui qui a usurpé le titre du roi des ombres se trouve dans le bourbier du Val aux arbres flétris, au sud des monts Géminés. L'armure de l'esprit maléfique qui a l'apparence du seigneur du malin se cache dans la forêt de Firon, sous la troisième cascade consécutive au nord du lac Faroria, près d'un mont qui enjambe une petite cascade par là, sur la Faroria, près d'un oiseau de pierre brisé dans la forêt d'Escara. La dernière page porte l'inscription X2. L'armure de l'esprit maléfique qui a l'apparence du seigneur du malin se cache dans la forêt de Firon. Sous la troisième cascade. Parce que j'ai déjà lu ça. Ok. J'ai progressé en toutes mes quêtes, non? Oui. Du coup, ben... Hop. Non, on va commencer par ça. Ah, ça n'avance pas. Et tous les autres vont me dire la même chose. Oui. Bon, bah, je dois me débrouiller. Je vous retrouve quand on sera près d'une des zones où se cache une des armures. A tout de suite. Oh, vous voyez ce que je vois? Il avait une baguette de feu, une baguette d'émetteur, lui.
Je crois que c'est une baguette des météores. Attention. Allez. Non, c'est une baguette de feu. Oh bah j'irai montrer ça au petit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va ajouter? J'ai que des bonnes armes, on va peut-être jeter un truc comme ça, un espadon royal, hein, parce qu'on s'en fout. Ou non, un boomerang. Voilà. Du coup là je récupère mon épée de légende. Et on arrive bientôt là où il y a la première pièce d'armure. Normalement c'est là où j'ai mis mon petit point. Donc à ce niveau là. Tiens, j'ai vu des champignons, je vais les récupérer aussi parce que je crois que j'ai une quête où je dois en récupérer plein. Ah. Hop. Bon, lui il est mort. Voilà. On complète, on complète. Bon, il va falloir attendre un petit peu avant que le pouvoir de Rivalis se recharge. Donc, en attendant, on va se débrouiller par nous-mêmes. Normalement, on est arrivé. Oh, des flèches électriques. Hop là. Oui. Oh, je vois un truc qui brille là. Bon. Ah. Zut, j'ai pas le pouvoir de dire beau ça. Ok, il commence à être chiant. Voilà. Merci Mipha. On va changer d'armure. Pour nous simplifier la vie. Ça serait bête de mourir sur un truc... sur des ennemis aussi faibles. Hop. Je récupère ça. Allez, amène-toi. Oh, lui, il va morfler. La colère d'Urbosa est à ta disposition. Hop. Zut. Oh, lui, il va morfler. Ah, ça touche pas. Ça touche pas. Ça touche pas. Comment ça être chiant. Ça touche. En tout cas, merci pour les poissons, les gars. Ça fait plaisir. Ah, il y a des piments aussi. A priori, quelque part ici, il y a le coffre. Eh bien, on va essayer de trouver ça. Et il y avait un truc qui brillait ici aussi. Faudra que j'aille regarder là-bas. Parce que j'ai vu une statue de déesse. Attention, il y a un mob.
et je vois un coffre. Est-ce que c'est le coffre que je cherche? J'ai pas l'impression. Oups. Non, c'est un coffre banal. Mais l'autre coffre doit pas être très loin. Ah, mais je me trompe de bouton, je suis froid. Voilà, dégage. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un rubis doré. C'est cool, je le prends. Il y a une statue, source du courage. Ah. Est-ce que je dois déposer une partie du corps d'un dragon ici? Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux. Je te félicite, tu as réussi à atteindre cette source. Dépose une écaille de Rordrak, l'esprit d'or de la source du courage. Ok, on va mettre un bouclier. Il faut que je me rappelle qu'il y a une écaille de Rordrak à ramener ici. On le fera pour une prochaine, un prochain épisode, une prochaine quête. En attendant, je cherche où peut se trouver mon coffre. Il ne doit pas être caché bien loin. Ah, il y a un coffre ici. Ce serait pas ça? Oh, ça m'a l'air d'être ça. Eh ben, il était bien caché, hein. Capuche de Lavio, le détenteur d'un bracelet permettant de changer en peinture portrait. C'est une capuche qui accélère l'escalade latérale. L'escalade latérale. Ouais. Ouais. Oh, il y a un courroux ici. Ah. Il y a un courroux ici, mais je ne sais pas où est l'autre partie en métal qui va avec le tas de cubes. Je ne sais pas. Mais il faudra se rappeler que ici, il y a un courroux. De toute façon, j'ai pas d'autre moyen de mettre un truc. Non, je ne peux pas. Bon, eh bien, je vais vous retrouver dès que je serai près d'un autre coffre cachant une pièce d'armure. Du coup, je vous retrouve. À tout de suite. Ok, donc. Je viens de... Ok, il y a un autre sorcier qui a spawn. Je viens de voir que le prochain vêtement se cache à ce niveau-là. Voilà, il est là. Du coup, celui-là va être particulièrement rapide à récupérer. Ah! Ouais, bon, attendez. Parce que il va être rapide à choper, mais moi, vu que je suis un galérien, je vais mettre 5 minutes. Voilà. Et voilà. Donc, Polaris. Voilà. Et du coup, là, j'ai récupéré la tunique bleue de Omar. D'ailleurs, c'est le pyjama de Link de Wind Waker. Hein. Et on peut pas m'avoir, c'est le seul Zelda que j'ai fait, donc... Elles sont vachement attendues du produit, je trouve. Enfin, il y a un petit air. Vous trouvez pas? Le héros du vent portait cette tunique lorsqu'il vivait sur son île natale. On dit qu'il parcourait les mers en contrôlant les vents. Il s'agit d'un article difficile à se procurer. Ouais. Et bien voilà. Eh, hey, on est productif aujourd'hui. Bon, par contre, ça avance pas en pourcentage. Ah, si, un petit peu. Oh. Eh bien, c'est bien ça. Hop. Y'a rien d'autre à trouver ici. Non, y'a rien. Y'a vraiment rien. Bon bah, du coup, bah, on va aller partir à la recherche des autres pièces. Du coup, petite ellipse. Oh, bah, oh zut.
Il y a un inox ici. Bon, du coup, la zone où est-ce qu'on doit aller pour récupérer le coffre est juste là, sur ce lac de goudron. Mais bon, j'ai vu un petit inox, on va essayer de le faire. Ah, ça serait pas drôle sinon. Allez. Hop là, réveille-toi mon gros. Tu vas te battre. Bon bah on va le tuer avant qu'il puisse réagir. Voilà. Oh. Les aliments aussi, faut que je les prenne en photo. Oh, quel enfer. Je savais pas, moi. Je pensais que c'était juste les armes. Bon. Voilà. Ah, il y avait une épée aussi. Hop. Voilà. Donc, le lac de goudron. On va se dépêcher avant qu'il pleuve. Ah, il y a un Korogu aussi ici. Non. Non. Peut-être que... si. Je sais pas, c'est louche. Là aussi. Alors. Cryonis. On va y aller doucement. Ouf. Hop. Et le coffre, il est là-bas, je crois. Non! J'avais sauté. Ça va, je respawn à côté. Hop. Je suis un petit peu pressé, faut que je fasse gaffe. Et j'entends un... Ok, il y a un Korogu aussi à côté. C'est parfait, ça va faire d'une pierre deux coups. On en fait un épisode bien complet aujourd'hui, hein, je trouve. Ah mince! Bon attendez. What? Waouh! Ils ont fumé là, c'est trop loin. Voilà! Et un Korogu de moins. Hop, je vais poser un deuxième Cryonis, faut être sûr. Parce que me connaissant, je serais capable de tomber. Voilà. Hop. On ouvre ça. Casque de Xanto, immunité gel. Ce casque était porté par le cruel usurpateur qui régnait sur le monde du crépuscule. Ça, c'est dans Zelda Twilight Princess. Qu'on fera un jour, d'ailleurs. J'espère qu'il y aura un remake sur Switch. Comme ça, je pourrais le faire. Mais sinon, ben, on fera le remake sur Wii U. On verra un jour, peut-être. Il s'agit d'un article précieux et difficile à se procurer. Ok. Je connais pas spécialement l'histoire de Twilight Princess, hein, parce que j'y ai pas joué. Même si c'était un des Zelda qui me hypé le plus à l'époque où j'étais pas trop fan. Donc, tôt ou tard, on le fera, de toute façon. Comment je m'en vais? On va s'envoler, je pense. Allez, hop. Mais il y a des cailloux ici aussi, je comprends pas.
Il y a un truc avec ces cailloux, non? Ah, je ne sais pas. Bon, on peut s'en faire un dernier. De toute façon, il en reste encore un, non? Ça s'est résolu. Elles sont où les quêtes qu'on a pas fait? Elles sont tout en haut. L'armure de l'au-delà. Voilà, c'est la dernière qui reste. Du coup, on va se la faire. Je vous retrouve quand je serai à côté. A tout de suite. Rebon. Du coup, je vous retrouve. Cette fois-ci, je me suis rendu compte qu'on n'a pas une pièce, mais trois pièces pour une armure complète. Ils sont disséminés un peu partout dans cette zone. Donc, on a une pièce qui est là, une partie qui est là et une autre pièce qui est là. On va commencer par celle qui est là, parce que c'est la plus proche de la tour. Et après, on s'éloignera. Du coup, direction la balise violette. A priori, j'ai bien placé les points. Je préfère les placer là plutôt que galérer une heure comme avec l'armure de la garde royale. Et faire en sorte que ce soit un épisode un peu moins décousu. Parce que les deux derniers épisodes que j'ai fait, je trouve, ils ont été un petit peu brouillons, un petit peu décousus. Je partais à droite à gauche, je savais pas trop ce que je faisais. Je préfère m'informer là, être courant de où on va pour faire un truc propre, on va dire. Et là, il me semble que c'est au pied de la cascade. Oula, oula, oula. Oula, accroche-toi. Link, accroche-toi. Bon, il s'est pas accroché. Oh, il y a des poissons qui ils sont venus me rejoindre. Hop, on va remonter. Je vais essayer de poser un cri au Nice avant de tomber. Ah, il y a lui qui va m'emmerder. Voilà, dégage. J'aurais dû le prendre en photo. J'y ai pas pensé tout de suite sur le coup. Hop. Ah, et je vois qu'il y a le coffre. Hop. Attention. Hop. Bon, ça c'est pas le coffre des armures, mais on récupère quand même, hein, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Donc, je te vois. Voilà. L'armure spectrale. Cette armure était portée par un esprit maléfique que le seigneur du malin avait créé à son image. Il s'agit d'un article précieux et difficile à se procurer. Ouais. A voir avec le rendu final, mais bon. Du coup, deuxième pièce d'armure, on va aller là, comme ça après on se dirigera là-bas. Je me TP encore à la tour. Ah, il y a un sanctuaire à proximité à ce qui paraît. Maintenant, tu meurs. Voilà, il faut tout prendre en photo. Pourquoi j'ai cru voir qu'il y a un truc là-bas? On verra pour le sanctuaire. Ce n'est pas une priorité pour moi. Du moins, pas dans l'immédiat. Ah, je crois qu'il y a un Kurugu et il y a le coffre. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ah, ça fait soulever un coffre. Est-ce qu'il y a un truc intéressant? Ah, deux coffres. Non. Non. Allez, ouvre-le. Non.
Non, je vais pas descendre, je vais ouvrir ce coffre. Voilà, ouvrir. Une opale brute. Pour lui, allez, on va se le faire, mais c'est parce que... on est un peu des crevards. Un rubis violet. Hop. Ok. Ah zut. Ok. Allez, amène-toi toi. Et je me demande s'il n'y a pas un sanctuaire derrière la cascade. Ok, le masque spectral. Qui est flippant. Alors, on va tester un truc. Ok, y'a rien. Est-ce qu'il serait pas là, du coup, le sanctuaire? Oh, ok. On va ignorer tout ça. Et le dragon, il est où? Parce que je me prends du vent là. Ah, il est là. Il me faut une écaille, hein. C'était bien une écaille. Oula. Elle est partie où? J'ai pas vu. Ok, elle est là-bas. Hop. Voilà. Voilà, mais cette productivité qu'on a dans cet épisode. Ah, j'ai pas vu où est-ce qu'elle est la fleur. Je crois qu'elle est derrière ce pilier. Non, elle est au-dessus du pilier. Elle est là. Dans une feuille, tu m'as trouvé. Voilà. Et là, je récupère mon écaille. Ah là, mais quel épisode parfait. En plus, on est juste à côté de la troisième pièce d'armure. Donc, hop. Oh, oh. Hop, je le prends en photo. Et voilà, les trois sont morts. Ok, j'ai pas besoin de prendre ça en photo. Et du coup, on va sortir le Polaris. Et ça va se cacher quelque part. Ah! Raté. Voilà, Sophie Fruit Gas. Il est mort. L'arc à double encoche, je l'ai déjà pris en photo. Les bananes et rubis, je récupère. Et donc toi, tu es un vendeur. Ça va pas être intéressant à me vendre. Les succulentes spécialités que je vends pour 3 fois 1 ne sont pas les seuls attraits du village des Caraïbes. Ok. Je veux acheter. Oh, durian max, ça m'intéresse ça. Voilà. Et notre coup, on va tout acheter.
Voilà. Merci, au revoir. Du coup, on repart à la recherche de notre pièce d'armure. Ok, c'est ici. Hop. Une petite photo. Merci, ça fait plaisir. Oh mince! C'est pas tout ce que je voulais faire. Bon, moi ça me fait de la chouchou rouge. Voilà. Donc, la dernière pièce d'armure. Les grèves spectrales. Ces grèves étaient portées par un esprit maléfique que le seigneur du malin avait créé à son image. Il s'agit d'un article précieux et difficile à se procurer. Du coup, bah j'ai eu cette quête. On va essayer d'enfiler l'armure. Stylé, mais perso, je suis pas non plus ultra fan. Enfin, il y a d'autres armures que je préfère, quoi. Là, c'est juste un Link Ganondorf, quoi. Version trop dark, pas gentil. Bon, après, c'est ça son style, hein. Ça va plaire à certains. Bon, bah sur ce, moi, je vais m'arrêter là, parce que la longue, en vrai, avec la longue lame, ça fait un petit style, hein. Il n'y a pas... Voilà. Là, c'est classe. Attendez, hop. Voilà, là, c'est beau. Regardez. Ça a pas fait une belle miniature, ça? Ah, si, hein. Bon, eh bien, je vais vous laisser là, du coup, pour cet épisode. On a quand même plutôt bien avancé. Regardez, on a fait 24,53%. Sachant que la dernière fois, on était à 23,81%, truc comme ça. On a fait quasiment 1%. En vrai, c'est pas trop mal comparé au dernier épisode. Je suis plutôt content de moi. On va essayer de continuer dans cette optique-là. Du coup, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre Let's Play sur Zelda Breath of the Wild. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.